La prednisolone est un glucocorticoïde de synthèse, utilisé comme un anti-inflammatoire sous de nombreuses formes. Sous sa forme oro-dispersible, elle représente avec la prednisone un médicament très couramment utilisé. Ces indications sont très larges et toujours sous contrôle médical, en raison de leur effet anti-inflammatoire, anti-allergique et immunosuppresseur. Les corticoïdes sont utilisés dans de nombreuses pathologies, selon deux modalités de prescription. La première, en cure courte, de moins de 10 jours, dans le traitement des affections aiguës et des urgences comme la crise d'asthme. La deuxième, en traitement au long cours, seul ou en association avec d'autres thérapeutiques. Notez bien, la posologie doit être adaptée en fonction de la gravité de l'atteinte, de la réponse du patient et de la tolérance. Afin de réduire les effets indésirables, les corticoïdes, dont la prednisolone, doivent être prescrits à la plus faible dose efficace et pour la durée la plus courte possible, avec une réduction progressive. Infection ou mucose non contrôlée par un traitement adapté, particulièrement la tuberculose. Maladies virales en évolution, comme l'hépatite, l'herpès, zona, varicelle et rougeole. Psychose non contrôlée par un traitement. Rétention d'eau et de sel. Hypertension artérielle, baisse du taux de potassium, modifications physiques fréquentes, gonflement du visage et du buste, apparition de poils, taches cutanées violacées et acné, surexcitation, euphorie, troubles du sommeil, état dépressif à l'arrêt du traitement, faiblesse puis fonte musculaire lentement réversible, une ostéoporose, décalcification des os, parfois définitive. Troubles hormonaux et métaboliques, comme le diabète réversible, arrêt de la croissance chez l'enfant, troubles des règles. Troubles digestifs, comme la gastrite et l'ulcère. Certaines formes de cataracte et de glaucome.